au sommaire de votre semaine à Verrières. Le salon de printemps. L'espace jeune met du son. L'agenda. Ont été soufflés pour cet événement verriérois qui rassemble de nombreux artistes et amateurs d'art au Colombier. Année après année, l'équipe de bénévoles qui organise cette manifestation artistique enchante le public venu en nombre, confirmant ainsi la notoriété de ce salon présidé par Virginie Nègre. Lors de l'inauguration, Thomas Joly a félicité l'ensemble des participants à cette fête de l'art, dont les invités d'honneur étaient la peintre Anne Boyle et la sculpteur Elisabeth Cibot. Je voudrais tout d'abord dire tout mon bonheur d'être aujourd'hui parmi vous pour ce 39e salon de printemps, et c'est ma première sortie officielle depuis les élections, et je trouve que c'est un très bon signe que de la mettre sous le signe de la culture. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir deux invités d'honneur, Anne Boyle, qui est peintre et qui montre le mouvement de la ville à travers et grâce à des plexiglas, et puis Elisabeth Cibot qui s'exprime à travers la sculpture et qui propose des personnages et excelle dans le monumental. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent 39e salon printemps. Merci. Ce rendez-vous printanier, riche en forme et en couleurs, complète avec talent la diversité culturelle régulièrement présentée à Verrières. Régulièrement, l'équipe de l'Espace Jeune propose des concerts de musique actuelle le vendredi, mais le samedi 15 mars, elle a investi le Colombier et a présenté un spectacle de danse, le chanteur Monsieur Pierre dans un style soul R&B et le groupe rock de Verrières Highside. Tous les bénéfices des entrées et de la buvette étaient au profit du projet Sans Tabac 2015. Chasse aux œufs, dimanche 20 avril au parc Régnier. Inscription impérative auprès du service jeune. Téléphone 01 69 53 78 00. La Buissonnière, samedi 3 mai 2014 à partir de 13h, place Charles de Gaulle. Inscription et renseignements au 01 69 53 11 24. Troisième forum Sport Handicap, samedi 3 mai de 14h à 17h à l'espace Jean Mermoz. Entrée libre, renseignements au 06 12 41 69 86. Dans votre prochaine semaine à Verrières, le cinéma Le Colombier. Pour confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé.